Bonjour, alors racontez-moi le projet de Zero Emission Racing Team. Oui, alors moi je suis Jan Van Hellen, je suis le responsable pour le marketing et le PR de notre team. Je suis partenaire dans ce team parce que moi je travaille pour Umicore, une firme belge qui est un des grands sponsors du team. Et j'ai rejoint le team depuis une année. D'accord. Et le team existe depuis une année et demie, un peu plus. Alors j'ai vu les nouvelles du team après la première course à Rotterdam il y a plus d'une année passée. Donc avant il y avait des étudiants qui avaient fait le projet, comment ça s'est passé? C'était des anciens étudiants et ouais. Des étudiants qui ont travaillé sur le Umicore Solar Car. La première et aussi la deuxième. Okay. Et en effet, aujourd'hui, la troisième est en Australie pour la course qui commence dans 2 semaines. Et ce sont des anciens étudiants qui voulaient continuer leurs expertises à des voitures vertes. Et alors, on décidé de rejoindre le championnat Formula 0. C'était en quelle année ça? C'était en 2008, 2008. Début 2008. Pour la fameuse course à Rotterdam. Oui, c'était... Donc c'était la première grande course. Il a fallu combien de temps entre A à Z pour faire la voiture? Combien de temps, combien de personnes? C'était une 8 personnes au début, ouais. Qui ont construit le kart à environ 6 mois. Donc en 6 mois c'est faisable, mais 8 personnes temps plein. Non, c'était des étudiants qui avaient du temps. D'accord. C'est vrai, mais c'était pas le temps plein. Ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire des tests avant la première course. D'accord, mais en 6 mois ils ont fait leur truc, quoi. Ils ont fait la carte et ils ont fait des premiers tests, ouais. Mais c'était pas... C'était pas comme elle est aujourd'hui, après 6 mois. Et puis moi, je suis entré dans le team. J'ai fait beaucoup d'expérience là-dessus. Okay. Et aujourd'hui, la carte est beaucoup mieux. Ouais. Car en effet, en mai 2009, on a battu le record absolu pour le 200 mètres sprint. Ah bon? Pour les voitures à pile combustible avec hydrogène. Uh-huh. On a battu le record qui était 11 secondes et demie avant et le temps aujourd'hui est 10 secondes 2. Uh-huh. Et on a aussi mis c'était un quoi, temps... La distance c'était quoi? C'était 200 mètres. Et, 10 secondes. Oui. D'accord. Et il n'y avait pas encore un record absolu sur 400 mètres et on a mis ça aussi. Alors, petite question qui me vient, entre un kart normal et un kart électrique à hydrogène, c'est quoi les performances de 0 à 100 ou je ne sais pas sous quelle mesure? Et même, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait un parallèle entre un kart traditionnel, oui. Mais voire un kart électrique à batterie, est-ce que vous avez fait... Non, on n'a pas... Mais aujourd'hui, entre un kart normal et un kart à pile à combustible, est-ce qu'il y a des différences notables? Si, il y a des... En termes d'accélération, ce sont des autres planètes, quoi. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus performant? C'est beaucoup... Notre kart, c'est entre 4 et 3 secondes et demie. Pour faire combien? 100 km à l'heure. Et les cartes normaux? Les cartes normaux, ils ont des problèmes quand ils doivent faire un départ absolu de zéro. Ouais. C'est pas assez vite. Mais un kart de compétition normal thermique? C'est... Mais il y a un clutch, un embrayage quoi, ouais, là-dessus. Ouais. Et ça prend du puissant quoi. Et d'après toi c'est quoi, combien de temps de 0 à 100 à 4 ans, ça vient de 5 secondes ou peut-être un peu plus. D'accord. Mais quand c'est l'accélération après un virage, ouais. À haute vitesse, ouais. Alors là la différence est beaucoup moins. D'accord. Mais toujours il y a les moteurs électriques, ouais. Ont beaucoup plus de couple. D'accord. Et toujours la nôtre sera
mieux, mais alors la différence est moins, parce que à cet instant, il n'y a pas d'embrayage, le moteur à essence peut donner tout son couple, mais c'est moins de couple, mais le poids est aussi beaucoup moins. Et pour cette raison... C'est-à-dire le poids du pile combustible est plus léger ou plus lourd que le poids? Non, notre carte est environ deux fois plus lourd qu'une carte... 50% ou... Non, 100% en plus, même un peu plus. Et pour cette raison, le poids avec la couple qu'il y a, et en comparaison d'une carte normale... Malgré le poids deux fois supérieur, malgré tout, le carte électrique à hydrogène est plus performant. Mais beaucoup moins plus performant, quand il ne s'agit pas d'un départ absolu. En départ absolu, en départ absolu, c'est une... Malgré une... La différence de poids, en départ absolu, c'est un peu... Mais à cet instant, l'embrayage du carte normal... Est un grand désavantage. Et petite question complémentaire, est-ce qu'il y a des ordres de grandeur entre le coût d'un kart normal et de compétition et un cours, et le kart aujourd'hui, ça coûte combien un kart électrique à pile à combustible par rapport à un kart de compétition, j'entends. C'est une grande différence quand même. Une kart à essence de compétition à environ 6 à 10 000 d'euros. Pour nous, une pile combustible, seule la pile, en vaut déjà 40 000. D'accord. Et c'est quoi le global, tout matériel, tout La pile à combustible est le plus cher du tout, le système. Le reste... Le budget global, pile à combustible compris, ce serait combien à peu près? C'était environ la double, quoi. 80 000, quoi. Oui. Mais ce n'est pas comment ça se fait avec les autres. Ok. Et petite question, pourquoi toi personnellement, qu'est-ce que toi personnellement tu trouves intéressant? Pourquoi tu t'es impliqué personnellement dans ce projet? Oui, moi personnellement, je suis un grand fanat du karting. Okay. Et j'ai aussi des petits-enfants. Et pour eux, je crois que là, que ce que j'ai fait quand moi j'étais plus jeune, ce n'est plus possible. D'accord. D'à cause qu'il n'y a pas de, il y aura plus d'essence. Plus de pétrole. Okay. Plus de pétrole. Le monde doit chercher d'autres choses. Okay. Et pour moi, la pile à combustible, l'hydrogène, sera ce que je pense une grande possibilité pour la future. Parce qu'une voiture seulement électrique, il faut toujours recharger les batteries. Même si on n'y est pas aujourd'hui, mais même si on peut recharger les batteries d'une telle voiture dans une heure, comme moi, je veux aller en vacances en Sud-France, 1000 km, c'est impossible. Chaque deux heures, je dois attendre une heure. Par contre, avec l'hydrogène, il vaut juste comme aujourd'hui faire un stop de 10 minutes, faire le plein avec hydrogène et continuer. Alors justement, il y a un truc qui m'intrigue.